thank <music> you Ça va bien? Oui, mon nom c'est Daniel et euh, je vous souhaite la bienvenue. Je suis content que vous soyez là ce matin. Bienvenue à ceux aussi qui nous écoutent euh, sur Internet en direct ou en différé. N'hésitez pas à partager les discours que l'on fait pour euh, que la parole de Dieu se, se propage partout dans le monde, francophone en tout cas. Euh, ce matin, on poursuit notre, euh, notre étude qu'on a commencé il y a quelques semaines de Myth Buster. Alors on veut briser des mythes. Des mythes qui existent dans nos, nos pensées sans qu'on s'en rende compte, qu'on soit croyant ou non, des mythes sur le, le christianisme, sur la Bible, des pensées des fois qui sont presque vraies, tu sais, mais juste un petit peu fausses. Et euh, donc, on veut regarder ce que la Bible dit là-dessus. Et ce matin, on va briser des mythes à propos du péché. En fait, on, on va y aller en grand ce matin parce qu'on va briser, pas un, mais trois mythes sur le péché. Et. Euh, en faisant cette étude-là, je me suis rendu compte qu'on euh, est bourré de mythes à propos du péché. Pour vrai, j'en brise trois ce matin, j'aurais pu en briser dix. Euh, le péché, ça vient. Ben, L'idée du péché, je pense, au Québec, nous vient beaucoup de, de l'Église catholique. Hein? Ça, ça fait des années que. que ben, en tout cas, que la plupart du monde ne suivent plus l'Église catholique, mais il y a comme une espèce de pensée collective qui est demeurée sur l'idée du péché. Pour nous, le péché, c'est faire le mal. C'est faire le mal, puis quand on fait le mal, Dieu n'y est pas content. Il est fâché après nous, il est en colère. Puis là, si on ne veut pas subir sa colère, ben, il fallait aller à la confesse, confesser nos péchés, demander pardon, puis des fois même aller un peu plus loin là, euh, euh, pour expier nos péchés. Et euh, on, on, on pense que le péché, c'est ça. Et à cause de ça, dans notre société moderne, on, on a conclu que finalement le péché, c'était une, une invention de la religion pour faire peur aux gens, pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les contrôler. Euh, par exemple, on disait, là, vous ne pouvez pas coucher euh, euh, avec un homme ou une femme avant le mariage. Et là, on les contrôlait, on les brimait dans leur liberté, on leur disait que c'était péché, puis qu'elle allait en enfer s'ils faisaient ça. Alors, euh, la plupart du monde aujourd'hui disent, ben, le péché, c'est la religion qui a inventé ça pour mieux nous manipuler, puis on rejette tout ça, puis on dit que c'est complètement euh, euh, absurde de croire encore au péché. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? C'est vrai qu'il y a eu de l'abus par rapport à ce que l'Église a fait, c'est très, très clair. Qu'est-ce que la Bible dit, elle, par rapport au péché? Et c'est ce qu'on va voir ce matin à travers une histoire que, qui est arrivée à Jésus. Une, une histoire dans laquelle Jésus, en l'espace d'un seul événement, va briser trois mythes sur le péché. C'est les trois mythes qu'on va regarder. Et euh, ça se passe pendant la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est une fête juive qu'on peut aussi appeler la fête des tentes. Tente et tabernacle, tabernacle, ça veut dire tente, pour ceux qui ne le savaient pas. Et euh, donc, ils fêtaient ça pour fêter le, le, les 40 ans qu'ils avaient passé dans le désert, dans des tentes, justement. Et tous les Juifs se rendent à Jérusalem, donc il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a vraiment une grande foule. Euh, tout le monde est au temple. Et euh, cette journée-là, les, euh, les chefs religieux qui veulent casser Jésus, qui veulent, qui veulent trouver une, une, un moyen de le discréditer vis-à-vis -vis du peuple, vont, euh, vont le mettre au défi. Et euh, c'est ce qu'on va lire ce matin en trois segments pour voir euh, les mythes. Le premier mythe qu'on va voir ce matin, c'est le mythe qu'il n'y a pas de péché, euh, c'est-à-dire qu'il y a des péchés pires que d'autres. Le mythe de croire qu'il y a des péchés qui sont pires que d'autres péchés. C'est facile de croire ça, mais Jésus va nous montrer que ça, c'est un mythe. On lit ça, c'est dans Jean, chapitre 8. On commence par lire les versets 3 à 9. Okay? Donc, Jésus est au Temple. Et au verset 3, tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leur question. Alors, il se releva et leur dit Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par le plus âgé, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour. On va, on va arrêter ici pour tout de suite. Une des citations les plus célèbres de Jésus, je suis sûr que tout le monde a déjà entendu ça au moins une fois dans sa vie que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La loi de, de, la loi de Moïse était une loi très sévère. Et c'est vrai que quelqu'un qui était pris en flagrant délit d'adultère était euh, condamné à mort. Mais pour faire ça, les personnes qui la condamnaient devaient ne jamais avoir commis ce péché-là. Quand on condamnait quelqu'un, les personnes qui la condamnaient ne devaient pas avoir commis, là ici dans l'exemple qu'on a lu, donc c'est l'adultère, ne devaient jamais avoir commis le péché d'adultère, sinon on ne pouvait pas condamner. Alors, les, les, les chefs de la loi, les Pharisiens, qui apportent la femme, pensent sincèrement qu'ils peuvent légitimement condamner cette femme-là parce qu'eux n'ont pas commis un péché aussi pire ou si grave qu'elle. C'est des personnes bien moins pires. Oui, ils ont fait des péchés. Ils en sont conscients, mais bien moins graves. Sauf que Jésus ne va pas dire que celui qui n'a jamais commis d'adultère lui lance la première pierre. Il va dire que celui qui n'a jamais commis de péché, Jésus va dire quelque chose d'extrêmement choquant. Il va dire que les chefs de la loi sont aussi pires que la femme adultère, que leurs péchés sont aussi pires que la femme adultère. Et c'est intéressant parce que... Les, 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 les chefs de la loi, ils voient Jésus, puis Jésus, ne répond pas tout de suite. Hein. Il se penche, il se penche comme ça, puis il dit rien. Puis là, il, il écrit dans le sol. Puis la Bible, elle nous dit pas c'est quoi, quoi que Jésus écrit, mais certainement qu'il n'écrivait pas sa liste d'épiceries. Okay? Et je pense que ce qu'il écrivait, ça devait révéler aux au, au chefs de la loi qui ont amené la femme qu'ils étaient des pécheurs. Et quand ils sont partis, ils étaient dans la honte. C'est peut-être des péchés que Jésus écrivait, peut-être que c'est des, 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 la loi, on ne sait pas. Mais j'ai l'impression que, que, que les, les, les chefs de la loi, les pharisiens, se sentaient accusés par Jésus. Ils révélaient leurs péchés. Peut-être qu'ils écrivaient leurs péchés puis qu'ils se disaient, mais comment il fait pour savoir ça? Il n'y a personne qui sait ça. Et, et, et ils s'en vont. Ils s'en vont, puis ils ont honte. Et ils sont gênés. Et puis, finalement, la femme, elle reste là. Et ça, ça peut être choquant pour nous autres aussi aujourd'hui, parce qu'il me semble que ce n'est pas ce qu'on voit dans notre expérience à nous. Si je vous dis ce matin, puis que j'arrête là, puis que je dis non, tous les péchés sont égaux, il me semble que. Oui, pas sûr. Tu sais, oui, oui, tu peux dire ça, Daniel, puis OK, la Bible le dit, mais. Moi, il me semble que tuer quelqu'un, ça me semble plus grave que juste, je ne sais pas, moi, être jaloux de quelqu'un. Tu ne peux pas dire que c'est pareil. Et vous avez raison. C'est vrai que dans notre expérience à nous, il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Les conséquences, les répercussions sont vraiment plus graves. Et quand on se compare, je peux très bien dire qu'une personne fait des péchés bien plus graves que moi et qu'une autre en fait des moins graves. Je suis capable de me comparer et de voir ça. Okay? La différence, c'est quand on ajoute Dieu dans l'équation. C'est là que ça ne marche plus, notre comparaison. C'est là qu'on que, que, qu devient égaux. Et pour vous illustrer ça, j'ai je, je, comme fait un petit graphique. Okay? C'est une comparaison. Je ne sais pas si on peut montrer la première image du graphique. Imaginons trois personnes. Bleu, rouge et vert, okay? c'est leur nom. Ça, ça, supposons que c'est euh, de l'argent qu'ils possèdent, un montant d'argent. Bleu possède 5 000 rouge possède 10 000 et vert possède 15 000 Remarquez l'écart entre euh, le bleu et le rouge. Okay? Il y a un certain écart entre les deux, c'est la différence d'argent qu'ils ont, c'est-à-dire 5 000 Maintenant, si on les compare, à quelqu'un euh, qui a 30 000 au lieu de 15 000. Si le, le, le bleu a 5 000 encore, le rouge 10 000 et le vert, au lieu d'avoir 15 000, a 30 000. Voici ce que ça donne. Voyez-vous, l'écart entre bleu et rouge a été réduit parce qu'on les compare à quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent qu'eux. Maintenant, si on pousse ça encore plus, puis que vert est extrêmement riche. 5 000 au bleu, 10 000 au rouge, toujours la même affaire. Mais le vert, lui, 1 million de hein? dollars. Qu'est-ce que ça donne? <laughs> On voit presque pas, mais bleu est encore là, okay? il existe. Il y a 5 000 rouge est là, il y a 10 000 Mais l'écart entre les deux, il est là. Mais il est petit, petit, petit. Pourtant, il y a toujours 5 000 entre les deux. C'est parce qu'on les compare à quelqu'un qui a un million. L'écart entre bleu et rouge est presque imperceptible. Si on pousse ça encore plus, je ne peux pas le, le mettre sur un graphique, mais imaginons que vert a un montant d'argent infini. Infini. Infini, ça veut dire infini. Mathématiquement, l'écart entre bleu et rouge va devenir nul. Il n'y aura plus de différence. Parce que même si on a une différence de 5000, comparé à l'infini, ça devient les deux zéros. Et il n'y a plus de différence. Vous voyez la comparaison? Quand on se compare entre nous, on est capable de dire lui, il fait des péchés bien plus graves que moi il est allé en prison, puis euh, moi, je suis une bonne personne. Mais si on ajoute Dieu dans l'équation qui est parfaitement et infiniment saint, Dieu a une sainteté parfaite. La sainteté, c'est le contraire du péché. Okay? Ben, nous, à côté, on devient tous parfaitement pécheurs. Tous égaux. Alors, si devant les autres, on est capable de se comparer, lui, il fait des péchés plus graves, lui, il fait des péchés moins graves. Devant Dieu, nos péchés sont tous égaux. Toute la gang. Et ce qui est important de réaliser, c'est que la, la, une des conséquences de tous les péchés, les, les, tous les péchés ont la même conséquence, la même répercussion, vous remarquerez ça si vous l'avez jamais remarqué, c'est que le péché brise des relations entre nous. C'est ça que ça fait le péché. Quand je commets un péché, je brise une relation avec quelqu'un. Et plus je vais faire un péché qui est grave, plus la relation va être gravement brisée. Alors quand je fais un péché, peu importe le péché, là, parce qu'ils sont tous égaux. Automatiquement, ma relation est brisée avec Dieu aussi. Je n'ai plus de relation avec Dieu. On lit dans Ésaïe cette vérité-là. On peut l'afficher, s'il vous plaît. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et c'est la vérité pour tout le monde ici ce matin. Peu importe la gravité des péchés que vous avez commis, nos péchés nous séparent de Dieu. Ça, c'est la vérité. Donc, si je résume, on a le mythe de croire que les péchés ne sont, sont, sont pas tous égaux, qu'il y en a des plus graves, il y en a des moins graves, mais Jésus va briser ce mythe-là. Et la vérité, c'est que... Nos péchés sont tous égaux devant Dieu. C'est la vérité numéro un qui casse le, le mythe numéro un. La, no, nos péchés sont tous égaux devant Dieu. Le deuxième mythe qui est facile d'avoir, c'est de se dire, OK, hey, mais c est, c est, c est, Dieu a en horreur le péché. J'ai péché, ma relation avec Dieu a été brisée. Chaque fois que je pêche, Ma relation est brisée avec Dieu et là, c'est facile de penser que, que quand je pèche, Dieu m'en veut, Dieu est déçu de moi et Dieu veut me punir. C'est le deuxième mythe. Quand je fais un péché, Dieu m'en veut et veut me punir. On n'a jamais fait ça ce matin à l'église 180, mais on va écouter une vidéo de chat. D'autres choses, s'il vous plaît. Dans les yeux d'un chat, on est capable de voir la culpabilité, la honte, la, 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 cette sensation de, de peur de oh boy, je me suis fait poignée, qu'est-ce qui va m'arriver Et chaque fois qu'on se fait prendre en, en flagrant délit, on a cette sensation là qui nous envahit, de, 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 de un mélange de honte, je dirais, puis, puis de peur de la conséquence, de la réaction. De, de l'autre. Et euh, c'est toujours comme ça. Je me rappelle, il y a quelques années, comme ma, ma petite fille avait un an et demi, puis mon petit gars, trois ans et demi, ils ont, euh, ils ont pris la, la, la bouteille de poudre de bébé. En fait, je pense qu'ils n'ont pris plus qu'une parce que c'est incroyable. Ce qu'ils ont fait avec, ils se le sont vidés sa tête pour devenir mais, complètement blanc. Vraiment, mais complètement blanc. Ma petite fille, il y a un an et demi, est encore potelée à l'heure du bonhomme Michelin. Okay? Ça vous donne une idée. Puis quand on les a pris, elle, là, était naïve, là, elle trouvait ça drôle. Hey, regarde, je suis toute blanche. Hein, là. Mais mon petit gars de trois ans et demi, lui, il était plus vieux. Puis, il savait déjà que c'était cave, ce qu'il avait fait. Puis, pendant que l'autre est, est là, puis toute contente de nous montrer que dans la poudre, le, le, le... Ça faisait bizarre, ça, comme France, la poudre de bébé. <laughs> le, 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 mon, mon, mon autre garçon, il était en arrière. Hein, pis il avait l'air du chat dans la vidéo. Il était de même, puis il se cachait. Puis là, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Puis on voyait qu'il y avait honte, puis il aurait donc don aimé ne jamais avoir fait ça. C'était le fun pendant qu'il le faisait, mais après, ouf! Et on réagit, on réagit comme ça aussi par rapport à, à notre relation avec Dieu. Parce que quand on pêche, ben forcément, après le péché, on, 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 on réalise que Dieu nous a poignés. Okay? On ne peut pas lui échapper, c'est évident. Et souvent, il y a, il y a ce sentiment-là de, de, de honte, de peur, de la conséquence, Dieu, Dieu va me punir, Dieu est en colère, Dieu est déçu, qui nous envahit. Et c'est un mythe aussi. C'est un mythe de croire ça. Ils continuons l'histoire de Jésus dans Jean. Alors, les hommes sont partis, okay? les chefs de la loi sont partis, on continue au verset 10. Jean 8, verset 10. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a donc condamné. Elle répondit, Personne, Seigneur. Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus est le seul à n'avoir jamais péché. Jésus est le seul à pouvoir condamner cette personne-là qui, rappelons-nous, est réellement coupable. OK? Elle est coupable. Mais le désir de Dieu, le désir de Jésus, ce n'est pas de condamner. Dieu ne veut pas te condamner pour ton péché. Puis, plus que ça, il n'est même pas déçu que tes péchés. Il ne peut pas être déçu parce que c'est plate à dire, mais Dieu n'a absolument aucune attente envers tes performances vis-à-vis du -vis péché. Je vous ai parlé de ma petite fille, aujourd'hui elle a 5 ans, OK? Imaginons, hypothétiquement, là, on est dans, dans le délire, là. imaginons quand s'en va aux Olympiques, là, là maintenant, aujourd'hui, à 5 ans, contre des athlètes chevronnés, au euh, 100 mètres haies, OK? Elle passe en dessous, tu sais. Et là, elle court! Là, évidemment, elle ne gagne pas, là. Puis là, elle vient me voir, puis oh, je m'excuse, papa, j'ai honte, tu dois être déçu de ma performance. Comment je pourrais être déçu de sa performance? Puisque logiquement, je n'avais aucune attente. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle gagne. C'était impossible. Et c'est de la même façon, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on ne pêche pas. C'est impossible. Dieu n'a pas d'attente par rapport à ça, donc Dieu n'est pas déçu. Et plus que ça, si tu as donné ta vie à Dieu, si tu lui as donné ta vie, que tu as demandé pardon pour tes péchés, Dieu t'a déjà pardonné ce péché-là aussi. Et quand Dieu pardonne, il pardonne vraiment. Ce n'est pas notre sorte de pardon à nous, qu'il nous reste quelque chose des fois. Là. Non, non, quand Dieu pardonne, il pardonne. Lisons ce texte. Euh, dans Hébreu 8, 12, En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péché. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Ça, c'est pardonné. Et souvent, nous, quand on devient croyant, euh, là, on dit ah, Je demande à Dieu pardon pour mes péchés. Puis là, on, on prend vraiment conscience que, que tous nos péchés passés sont pardonnés. Mais quelque part, hein, dans nous, on pense qu'à partir de maintenant, Là, il faut que je performe. Je, je, oui, Dieu m'a pardonné mes péchés passés, mais là, à partir d'aujourd'hui, je suis croyant et je peux plus me permettre de pécher, il faut que je performe. Et, et quand, Dieu, quand je pêche, mais Dieu va être déçu. Mais j'oublie que, que les péchés que je n'ai pas encore faits, mes péchés futurs, sont aussi pardonnés autant que les autres sont aussi oubliés. Et. Euh, ça me pousse à dire que, que je suis perdu dans mes notes. Oui, c'est ça. Merci d'avoir été patient. Comment ça se fait que si je suis pardonné, même pour les péchés que je n'ai pas encore fait, quand je commets ces péchés-là, comment ça se fait que, que, que je ressens encore ça, cette culpabilité-là, cette honte-là, culpabilité cette, honte cette déception-là? Et ce n'est pas difficile à comprendre, c'est parce que même si Dieu m'a pardonné, il reste que je suis quand même coupable. C est, c est, je suis quand même coupable. Dieu ne veut pas me condamner, mais il reste que je suis coupable. Et face à cette culpabilité-là que je ressens et qui est tout à fait normale, parce que je suis coupable, j'ai deux réactions possibles. Et il y en a une qui est la bonne, il y en a une qui n'est pas la bonne. Et pour vous illustrer ce... ce ces deux réactions-là, j'aurais besoin d'un peu d'aide, d'un volontaire que j'ai désigné d'avance. Loric, je ne te vois pas, mais j'aimerais que tu viennes en avant, me rejoindre. Loric, qui, qui est un de mes garçons. Oui, vous pouvez l'applaudir, ce mon garçon. Monsieur Adidas. Alors, imaginez que Loric, c'est un humain normal. OK? Je sais, ça vous prend de l'imagination, mais vous pouvez y arriver. Alors, Loric, c'est un humain normal. Imaginez que moi je suis Dieu. Okay? Ça c'est facile. Bon. C'est une blague. Alors, on est en relation humain-dieu. Okay? Vous êtes en relation avec Dieu. À un moment donné, on... le riz qui fait un péché. Il y en a qui, qui, qui voient ça, mon doux. Le riz qui fait un péché, Dieu, Dieu s'éloigne. Okay? Là, là, tu là, là Tu es dégueulasse. Tu m'écartes, je, je me recule, il va falloir que tu te repentes, que tu changes de vie avant que je revienne dans ta vie. Mais ça, c'est faux, c'est un mythe, ça n'arrive pas. Jésus ne bougera pas de là. Il y en a qui vont croire, si je pêche, je m'éloigne de, de Dieu. Et là, on s'éloigne de Dieu. Mais c'est faux de croire ça aussi. Parce que si tu t'éloignes de Dieu, de toute façon, Dieu va te poursuivre. Dieu te cherche constamment. Ce qui arrive plutôt, c'est quelque chose comme ça. Si tu pêches, tu te détournes de Dieu. Tu ne le vois plus. Tu n'es plus en relation avec lui. Mais il est juste là. Et les deux réactions possibles que tu as, c'est soit tu te morfonds dans la honte et la culpabilité, puis tu, tu, tu trouves que tu es une personne vraiment misérable, ce qui est probablement vrai, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. L'autre réaction possible, c'est de te dire... Mon doux, j'ai encore péché. Encore. Mais je sais que Dieu, sa volonté, ce n'est pas de me condamner, c'est de me pardonner. Et la réaction que, 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 que ta culpabilité doit te pousser à faire, c'est de te retourner vers Jésus. Puis je peux te garantir qu'il va être là, les bras ouverts, prêt à te pardonner, prêt à te prendre dans ses bras pas à te dire, je t'aime, puis je te pardonne. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Je sais que ma femme va dire que c'était vraiment quétine, mais que si vous voulez quand les enfants grandissent, vous trouvez toutes sortes de trucs tordus pour leur donner des câlins. Faut que ça c'est le mien. Quand je prends conscience de mon péché, je prends conscience de mon indignité. Je prends conscience que la seule chose qui peut m'aider. C'est la grâce de Dieu. Rien d'autre. Et je me tourne encore, encore et encore vers Lui. Puis même si ça fait mille fois que je le fais, Dieu va encore être là, les bras ouverts. Et sans, il faut se convaincre de ça. Dieu n'est pas déçu ou en colère. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te tournes vers Lui. Encore une fois, j'aimerais formuler, je voulais tellement bien le formuler que je l'ai écrit. Retenez cette phrase ou ces phrases. Nous grandissons spirituellement grâce à notre vulnérabilité, pas grâce à notre performance. Donc, la maturité chrétienne, ce n'est pas d'atteindre un standard moral, mais c'est de découvrir toujours plus la grâce de Dieu. Et ça, je prends le temps de le dire parce que je sais qu'il y en a qui pensent que ce qui fait notre témoignage chrétien, c'est qu'il faut démontrer qu'on ne pêche pas. Il faut démontrer qu'on a atteint des standards moraux élevés. C'est important pour notre témoignage. Mais ce n'est pas vrai. Les chefs de la loi avaient des standards moraux élevés, puis ils n'étaient pas chrétiens du tout. Ils voulaient tuer Jésus. Il y a des gens qui ont des standards moraux très élevés. Ça ne peut pas être un témoignage chrétien. Ils ne sont pas chrétiens. Le danger, quand on fait ça, c'est qu'on se fait traiter d'hypocrite. Les gens disent, ils font semblant que c'est des bonnes personnes, mais dans le fond, ils ne sont pas meilleurs et ils ont raison. On n'est pas des meilleures personnes parce qu'on est chrétien et il faut arrêter d'essayer de faire croire ça aux gens. Au lieu d'être hypocrite et de faire croire qu'on est si bon, soyons transparents, avouons nos torts, mais témoignons que la grâce de Dieu nous pardonne. Plus on va se tourner vers la grâce de Dieu, plus on va grandir en maturité chrétienne. Amen. Troisième mythe et dernier mythe. Et euh, dans le fond, euh, c'est un petit peu le danger de, de, de la deuxième vérité que je pourrais formuler, que Dieu ne veut pas me condamner, il veut me pardonner. Ça, c'est la deuxième vérité. Dieu ne veut pas me punir, il veut me pardonner. Puis il va toujours le faire pour tous mes péchés, c'est son désir. Maintenant, sachant ça, c'est facile de croire au mythe suivant, de dire, eh, hey, mais c'est merveilleux. La grâce m'encourage à pécher plus. Parce que la grâce de Dieu, c'est qu'il me pardonne. S'il me pardonne tous mes péchés, c'est extraordinaire. Ça veut dire que, que, que je peux faire ce que je veux. Puis il va toujours me pardonner. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais c'est un mythe. C'est un mythe. Continuons la... la Lecture dans Jean 8, le dernier passage, ça finit comme ça, verset 11. Jésus lui dit ⁇ Moi non plus, je ne te condamne pas, va, mais désormais, ne pêche plus. Ça semble contradictoire, mais ça ne l'est pas. Le désir de Jésus, ce n'est pas de te condamner, c'est de te pardonner. Mais son désir, c'est que tu sois heureux aussi. Le péché, quand on le fait, ça ne change pas grand-chose pour Dieu, mais ça change quelque chose dans ta vie, à toi. Je l'ai dit tantôt, ça brise des relations, ça brise ta vie. Ça, le péché te détruit et Dieu le sait. Et s'il te demande de ne plus pécher, c'est pour ton bien. Et Jésus sait très bien que, que tu vas pécher quand même, mais il veut que tu essaies de ne pas le faire. Et ce qui est intéressant dans le passage, c'est qu'il dit :« Je ne te condamne pas, va mais désormais ne pêche plus. » C'est pas euh, euh, « Va ne pêche plus » parce que si tu pêches, ben là, je vais te condamner, là. Ok Ou euh, « Pense que je te surveille. » C'est comme sous-entendu parce que je te condamne pas, parce que je t'ai fait grâce, ne pêche plus. La grâce me pousse. À ne plus pécher. C'est la Bible qui le dit, ça. On le lit dans Tite. Tite 2, versets 11 et 12. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. Autrement dit, la grâce de Dieu m'enseigne à moins pécher. Pas la justice de Dieu m'enseigne à ne pas pécher. La colère de Dieu m'enseigne à ne pas pécher. Ou attention, Dieu te regarde, le regard de Dieu t'enseigne à ne pas pécher. Non, non, la grâce de Dieu m'enseigne à ne pas pécher. Comment est-ce possible? Il me semble que c'est le contraire. Si Dieu me fait grâce, ça me pousse à pécher. Comment la grâce de Dieu peut m'empêcher à ne pas pécher? Les musiciens, vous pouvez monter, j'ai presque terminé. Lisons un texte dans l'Ésaïe qui, qui illustre assez bien c'est quoi la grâce de Dieu. « Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait son, sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous, a fait retomber sur lui nos péchés à tous. » Ça, c'est la grâce de Dieu. On ne méritait pas ça. Là. On ne méritait pas ça. Et la grâce de Dieu m'enseigne à ne plus pécher. Souvent, la grâce, on sous-estime le rôle de la grâce. On pense que la grâce, c'est pour nous empêcher d'aller en enfer. La grâce va me permettre d'aller au ciel. J'étais pécheur, la grâce de Dieu m'a sauvé. Maintenant, je dois y aller par mes performances, mais. Non, non, non. La, la, la grâce de Dieu, c'est pas juste pour me sauver. La grâce de Dieu, c'est le seul et unique moyen qui me permet d'interagir avec Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce qui me permet, jour après jour, de grandir dans la foi chrétienne, de grandir en maturité chrétienne, de devenir une meilleure personne. Comment, comment la grâce de Dieu peut faire ça? C'est pas une illustration qui est parfaite, mais je vais vous dire moi comment, comment ça m'aide. Imaginez une. Chacun dans votre tête, là. imagine une scène où tu as péché. Peut-être la fois dans ta vie où tu as été le plus honteux de ton péché. Le péché qui t'a fait le plus honte. Le péché qui a détruit le plus de relations qui le plus détruit. Revois la scène dans ta tête. Peut-être que tu es en train d'être en colère avec quelqu'un. Peut-être que c'est comme dans, dans l'exemple qu'on a lu, c'est un péché d'adultère. Peut-être que tu, tu prends de la drogue ou, ou, ou peu importe. Quelque chose qui te détruit. Quelque chose qui te fait honte. Regarde la scène et maintenant, prends conscience que quand Dieu regarde la scène, c'est Jésus qui voit à ta place. Parce que si tu es sauvé, réellement, tu as donné ta vie à Jésus. Tu lui as donné ta vie. Et le péché dans ta vie, c'est Jésus qui l'a pris. Et quand je prends compte, et, et, et j'essaie de, de me rappeler de ça chaque jour, chaque jour je me rappelle que Jésus a pris mon péché. Il va prendre les péchés que je vais faire aujourd'hui. Et quand il me vient une tentation, quand j'ai le temps d'y penser, je me rappelle, hé, hey, attends, Dan, le péché que tu t'apprêtes à faire, Jésus va venir prendre ta place. Mais moi j'aime Jésus. Je veux une relation avec lui. C'est mon sauveur. Et soudainement, juste d'imaginer la scène, de voir Jésus en train de faire le péché que je m'apprêtais à faire, soudainement, j'ai plus envie de faire ça, 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 ça s'arrête là. La grâce m'enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde, la grâce de Dieu. Et c'est facile de de, de peut-être <laughs> de se remettre à culpabiliser, c'est de dire ah ben là je culpabilise plus parce que parce que j'ai péché, mais je culpabilise parce que y a quelqu'un d'autre qui prend ma place. Mais j'aimerais te dire ceci, il y a rien au monde qui fait plus plaisir à Jésus que de prendre ta place. Jésus t'aime tellement que tu peux même pas l'imaginer. Ton imagination n'est pas assez grande pour imaginer l'amour de Jésus pour toi. Et ce que Jésus veut le plus au monde, c'est justement ça, prendre ta place. Si si, si tu es déjà sauvé. Je t'encourage à, à te rappeler chaque jour de la grâce de Dieu, à ne pas vivre dans la honte et dans la, la, le stress de la performance pour essayer de plaire à Dieu. <laughs> Quoi que tu fasses, ta performance vis-à-vis -vis du péché va toujours être pitoyable pour Dieu de toute façon. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Essaie de, par la grâce de Dieu, de ne pas marcher dans le péché. Et quand tu vas pécher, parce que ça va arriver, encore une fois, toujours la même affaire, rappelle-toi de la grâce de Dieu qui te pardonne toujours. Ton témoignage chrétien, ce n'est pas que tu es une bonne personne, c'est que tu es pardonné de Dieu. C'est ça. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, quand t'as ce message ce matin, je peux te garantir une chose, comme tantôt dans mon illustration avec mon garçon Loric, tu tournes le dos à Dieu, mais Dieu est juste là. Puis il dit, tourne-toi, tourne-toi, tourne-toi. Je veux une relation avec toi. Il veut te pardonner. Ce que Dieu veut pour toi, c'est te pardonner. Il veut te donner sa vie, il veut prendre la tienne. Peu importe le péché qu'il t'a fait, qu'il soit grave ou non, il s'en fout, il a déjà payé pour ça. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter ce pardon-là qu'il veut te donner. La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Veux-tu accepter le pardon de Dieu? Veux-tu accepter sa vie? veux tu accepter sa grâce c'est ma prière pour toi ce matin aussi